Ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor to welcome you here at the very first Daniel Farrugian lecture on behalf of Ghent University and the Faculty of Arts and Philosophy. Our rector and vice-rector, so vice-chancellor and deputy vice-chancellor, sent their apologies for this event, but they wish us a very pleasant evening and express their full support for this undertaking. As many of you know, Daniel Farrugian studied here in Ghent for several years at the beginning of the 20th century, 1906-09. He took lots of courses, politics, economics, history, and one of the topics of the main speaker's lecture today will be trying to trace a little bit of the influences that he underwent and how this played out in his poetry. It was not always a happy time for Daniel Farrugian. He had to live on a meager scholarship. And he was obviously very far away from home, and he definitely felt somewhat of an outsider, although he definitely was not the only foreign student at the time. In fact, in the early 20th century, there was a very high proportion of non-Belgians studying at Belgian universities, but still I don't think that there were many Armenians around here that he could talk to in his mother tongue. He also tells at some point the anecdote that he went out in the fields around Ghent to watch the stars, and that the locals who saw him doing that thought he was some kind of a sorcerer. So clearly watching the stars is something that the Flemish don't really do. Today, this is, I think, a much more happy occasion. After a century, a lot of things have happened. A lot of things have happened to the Armenians. A lot of things have changed in Belgium. One of the things that probably Daniel Farrugian and his contemporaries would not be able to understand is that I would be talking to you in English today and not in French. But our main speaker will talk to you in French, which was indeed the language in which he was taught here. I'm very grateful that we, as Ghent University, that we can host this event. It's one of the paradoxes of our globalizing society that we notice that young students have less and less interest in things that are not mainstream culture, and that even studies like Russian do not attract as many students as one would expect. So as a university, we are very happy that this is an occasion to draw attention to it's maybe a smaller language, but nonetheless one that has very much importance. And Daniel Farrugian is obviously a prime example, exponent of what Armenian culture has brought. To conclude, I want, before inviting Grigor to say a few words, I want to express my thanks first and foremost to the Program of Armenian Studies and in the person of Grigor Moskovian, who is a quiet engine of energy and dedication, who has brought together a team of sponsors and collaborators to make this come through. To make this come true. And on the Ghent side, I want to thank Julie van Bogaert, who is the research officer in the Department of History, who has been the main contact and organizer in terms of on the Ghent side. So again, on behalf of Ghent University, I wish you a very pleasant evening, and I thank you all for being here. Pari Erego Sirelner. Այսօր Գենդը հայ մշակույթի վերազարդուն կաբլի
61 տարիներ առաջ այս համասրանի հարգինդակ գհավերժանար հայր քրագանության մեծակույններեն Դանիել Վարուժանի հիշատակը։ Հուշամեդաղի զետեղումի արարողության 61 տարիներու ընդմիջում են ետք, այս բերջ քաղաքը գրգին գրկապած կնդունի փանաստեղծին ժառանգությունը հավարժացնելու համար հավաքված նվիրյալներու խումբը։ Գենդը և իր համասարանը, որուն այնքան երախտաբար է մեր քրականությունը, գրգին գլուսավորվի հայ մտքի լույսով։ Ցեղասպանության զոհ քրողմի ոգեգոչումը մտնոլորդը միշտ ալեցուցած է հուզական ուժականությամբ։ Բայց ոչ չենք հավաքված սովորություն դարձած մեր լացագումած հերթական փերանմը ողբը երկելու։ Սրդի խոսք արդասանել նման առիթով կենթադրե զսպվածություն, փանական ըսկոնություն։ Վարուժանի արժեքը վերառնելու համար այդ կպահանջի։ Քրագանությունը իր արդահայտության բազմաբիսութենեն ու դարադեսակ բաջուջներեն անդին, իր ամենահիմնական ծևի մեջ կխոսի մարդկայինեն։ Վարուժանի գործը այդպիսիներեն է, գանկնած իմացական և հոգեկան լայն հադագիմը վրա։ Ան հավասարապես փանաստեղծն է սիրահարին և անիրավյալին, դարաբողին և անհատականություն մրջահարող մարդուն, գորուստի թարնությամբ մխացողին և հայրենագորույսին, արդար հացը վաստագող աշխատավորին և սուքի դաբանակարի դակ ճզմված սիրդերուն։ Ան փանաստեղծն է բասկին, արժանտինցիին, մեքսիկացիին, ռոհինգային, դարֆուրցիին և հայուն։ Ան մեծ է, որովհետև համամարդկային է։ Մարդկությունը իր էության մեջ գաթիլ ալ գաթիլ թորած փանաստեղծը ենթարկվեցավ ամենեն անմարդկային ճակատագրին։ Երկեց շիրիմացած հայրենիքը, իսկ ինք մնաց անշիրիմ։ Երկեց լույսի գենսալի իսկ մահապեր խավարը մտակնեց իր դաղանդին ճաճանշները։ Բայց ատ լույսը չշիչեցավ, ատ լույսը մարդկության խիղճն էր, ատ լույսը մարդկության հույսն էր, որ ճաճանչեց նույնիսկ այդ մարդկության փանականությունը մտակնող խորշակներու հարվածներուն տակ։ Այսօր ատ լույսին ձարավ մեր հոգիին թադարկ սապորները Վարուժանյան լույսով լեսնելու խոր համուզումով կվերանորոգենք մեր մարդասիրական ուխտը։ Մարդիկ չեն փոխված, կյանքը նոր միմոսներով գտնվող զավեշտախաղ մտարծած է։ Չէ փոխված նաև մեր վճռագամությունը։ Մեծ երազին հավատացողներուս ան ընգրկուն հաղթերթը։ Չէ որ կյանքն է քնայուն, իսկ երազը մնայուն։ Խոսքս չեմ գնար ավարտել առանց երախտագիտությունս արդահայտելու այն բոլորին, որոնց գբարդինք Դանիել Վարուժան դարեկան փանախոսության իրականացումը։ Իմ առաջին շնորհակալական խոսքս պիտի ուզեի ուղել մեր շատ սիրելի Գրիգոր Բլդյանին, որ այս ծրագրին օրդնություն տվող առաջին անձը եղավ և ազնվորեն համացանեցավ Դանիել Վարուժան դարեկան փանախոսություն շարքին առաջին դասախոսը դառնալ։ Իմ շնորհակալական խոսքս կուզեմ հայտնել պրոֆեսոր Պիտեր վան Նուֆլենին, որ ծրագրին առաջին հավատացողը և գործնական նեցուկ արդահայտողը եղավ։ Իմ խորին եղրախտագիտությունս մեր շատ սիրելի նվիրատուներուն,
Andrey Gümüşçyan'ın, Rafi Anelga yev Sahak Arslanyan'ların, Kalus Gülbenkyan Himnargutyan Haygagan Pajanmunkin yev imasnavuri Dr. Razmik Panosyan'ın, Voronts aradatser nevirat'utyan shnoriv irakordzetsin ais tsernarknera. Sirdi khor bartkov guzem artsanakrel anunnera nevirialnerun. Shogher Margosyan'in, Movses Terkevorkyan'in, Kayane Andreasyan'in, Adham Smart'in, Rafael Gregorian'in yev Elen Baghdasaryan'in. Arants voronts anknahadeli netsugin ais yergorgya tsernaknerun sharkə sharki gazmagerbumə anhanarin piti ellar. Haduk shnoragalutyunnerəs datevik Sarkis Ayvazyanin, Garo Berberyanin, Yeghya Akgyunin, Ben Hodgsonin, Julie Van Bogart'in yev Arevik Avedisyanin. Yerakh Շնորհակալություն ցեզի Բելգիկահայ համայնք։ Շնորհակալություն նաև երգիր և մշակույթ կազմակերպության և Հայասա ուսանողական միության։ Երախտագիտական խոսքս կուղեմ Գենտ քաղաքին և իմաստնավորի Գենտի համալսարանին իրենց հյուրընկալ ոգին համար, որ հարյուրամյակեմը ավելի առաջ թևապած ընդունեցին մեր հարազատը Թանյել Վարուժանը, իսկ այսօր մեզ, շնորհակալություն բոլորին։ Parler de Varoujan est émouvant, surtout quand on est dans l'université où il a été formé. Cette émotion, je vais essayer de la réprimer, et pour aborder le sujet qui est « J'ai vu l'Europe » d'Esaï Evroban. D'Esaï Evroban, J'ai vu l'Europe, je pense que l'œuvre de Varoujan se constitue autour de cette expérience de l'étranger qu'il a vécu entre 1902, quand il est venu faire des études à Venise, au lycée Murat Rafaelian, pendant 3 ans, et après, en 1905 jusqu'en 1909, vers le mois de mai, juin, quand il a quitté Gand. Donc, c'est 7 années sur une vie qui n'en est connue que 31. Donc, les 7 ans ont été décisifs, à mon avis, pour sa formation de poète. Alors, cette œuvre se constitue autour d'une expérience de l'étranger qui est placée d'emblée sous le signe du pictural. Évidemment, ce n'est pas parce que la peinture serait une sorte de poésie muette. Pour le poète, l'expérience de l'étranger, c'est un accès à l'image. Pendant certains amar, odarutiam mech avril, que ne chanage patkerinet à la perutununenal. Aiskarapar nebol bidiportsem, zarkatsanel aistasakotutian antatskin, asigagsem hayachos nerunamar. Je dis ça pour les arménophones, parce que tout le monde n'est pas francophone. Eh bien, c'est donc autour de l'image, c'est l'image qui semble le fasciner. Aussi, on peut se poser la question de savoir quelle place occupe l'art pictural dans cette œuvre. Quel sens revêt-elle? La fascination de l'image et de la pensée imageante qu'on trouve dans cette œuvre résiste-t-elle à l'événement catastrophique de 1909. C'est donc une question que je voudrais aborder, je ne sais pas si j'aurai le temps. Alors, pour commencer, je vais vous lire 3 citations
des lettres que Varujan a écrites. Évidemment, les trois citations sont intéressantes parce que c'est les mêmes questions qui sont abordées. Alors, 1908, de Gand, au mois de novembre, il écrit à Théotique, « Deux milieux ont eu une influence sur moi. » Venise avec son Titien et la Flandre avec ses Van Dyck. Les couleurs du premier et le réalisme barbare du second ont formé mon pinceau, que j'ai la prétention d'avoir trempé seulement dans le rouge cochenny et les flots de sang de la terre paternelle. Alors, trois ans plus tard, en 1911, il écrit dans une autre lettre. Alors, il récapitule un peu sa vie en Europe, puisqu'en 1911, il est à Constantinople. En 1902, on m'envoie à Venise au Murat Raphaëlian. Là, j'aime la peinture sans savoir manier un pinceau. Je sens que Venise colore mon âme. Gescambor venendigue que kunakere rokis. Là, il devient impossible pour moi de penser sans image. Hon inzi angalig tarnam medazel arans patkeri. Pendant un certain temps, je me consacre à ma poésie au point de mettre en danger mes études universitaires dans la section des sciences politiques et économiques. Plus que tout, c'est Venise et la Flandre qui ont eu une influence sur moi. L'une par ses couleurs, l'autre par ses maîtres réalistes et par le grouillement des milieux ouvriers. Alors, troisième lettre, mars 1914. Je sens pleinement que Venise a eu de l'influence sur moi avec les trésors perpétuellement renouvelés de ses couleurs, de ses ombres et lumières. Une ville où l'on ne peut penser sans image. Karakma urgarelice medazel arans batkeri. Les maritaristes n'ont pas eu une influence systématique sur mon âme. J'ai lu Alishan. Il a vu Révente Alishan et vu sa tombe, c'est tout. Mais j'ai eu l'occasion d'étudier la littérature italienne et j'ai contemplé en solitaire les couleurs d'après dans les villes miraculeuses. Une fois diplômé, il m'était difficile et dangereux de retourner au pays. C'est-à-dire en 1905, il ne pouvait pas rentrer à Constantinople puisqu'il était considéré, il pouvait être considéré comme dangereux. Alors, je suis allé en Belgique, à Gand, où, tout en assistant à des cours de littérature, j'ai suivi régulièrement les cours de sciences politiques et économiques que j'ai terminés 4 ans après. En fait, Varujan ne peut pas faire des études littéraires parce qu'il ne sait ni le latin ni le grec. À l'époque, ces deux langues étaient indispensables, donc il se dirige vers les sciences politiques et économiques. Gand était une ville ouvrière et en même temps très animée. La vie et les beaux-arts flamands ont peut-être été la cause pour que mon art penche vers le réalisme. Dans ces trois lettres, on trouve des préoccupations qui sont identiques. On a même l'impression que Varujan reprend les mêmes idées. Alors, pendant ces années de formation, alors, quand Varujan publie, évidemment, il avait déjà, avant de venir à Venise, à Gand, il avait publié Les Frissons, Sartourner, en 1906. Il a publié à Paris Charte, Le Massacre. Ensuite, il va publier en 1909 à Constantinople, il va publier donc Serine Sirde, Le cœur de la race. Quand il arrive en réalité à Venise, il y a dans ses bagages déjà 2 recueils de poèmes, qui sont des recueils d'adolescents, en fait. Car Varujan, quand il arrive à Venise, il a 18 ans quand même.
Et quand il va partir, il aura 25 ans. Donc c'est une expérience assez fondamentale pour un jeune homme et pour un poète. Alors, j'ai vu l'Europe. Alors, dans ce voir, évidemment, ce voir n'est pas l'œil d'un touriste, ni celui d'un esprit curieux d'exotisme. La vision, évidemment, renvoie, dans le contexte arménien, il renvoie au perçu, senti, vécu, pensé. Elle est une sorte d'initiation au savoir, à la culture. À Venise, évidemment, les méritaristes représentaient une tradition, une culture exilée. Et c'est justement dans Basmaveb, la revue de la congrégation, que Varujan publie son premier poème en 1904. Et puis, il y a la figure d'Alishan. Alishan venait de mourir quand Varujan débarque à Venise. Alishan est mort en 1901. Et donc, il admire beaucoup Alishan, qui depuis a beaucoup perdu de son auréole, si vous voulez. Alishan n'est plus le grand poète que les méritaristes ont toujours voulu célébrer. Ensuite, Varujan est fasciné par le père Arsène Pagratouni. Arsène Pagratouni était non seulement un grand connaisseur de la langue classique, du Krapar, c'était pas seulement un grammairien, mais aussi un grand traducteur des grands textes épiques comme Homère et d'autres grandes épopées classiques. Lui-même, il avait écrit une épopée en langue classique arménienne. En 1858, il publie Haik Tutsazen, Haik le héros, qui fascine Varujan d'abord parce que ça traite de l'ancêtre des Arméniens. Et Varujan lui-même voudrait faire un poème épique. Évidemment, il dit dans une de ses lettres qu'il ne peut pas écrire une épopée sur Tigrane le Grand, parce que pour écrire une épopée sur Tigrane le Grand, il faut traverser toute l'Arménie, et ça, c'est une expérience qui lui manque. Alors, mais il va tenter d'écrire des fragments épiques qu'on trouve dans le cœur de dans Serin Sirda. On trouve aussi dans l'ouvrage qui s'appelle Poème païen, qu'il a publié en 1912 à Constantinople. Et on a, par exemple, le fragment épique qui s'appelle Harja, c'est-à-dire la concubine. Donc, c'est quelqu'un qui aime une culture classique. Il a une culture classique. D'ailleurs, à Gand, il passe son temps à lire des classiques. Il dit, d'ailleurs, il s'enorgueillit en disant, à Gand, j'ai lu des auteurs indiens jusqu'à Maeterlinck. Autrement dit, il a eu une très vaste culture qu'il accumule en laps de temps relativement court. Apparemment, à Venise, il n'avait pas cette liberté de lecture. Évidemment, à Venise, le lycée ne lui permettait pas de lire, d'avoir accès à une littérature de cet ordre, parce qu'à Gand, il jouit d'une grande bibliothèque. Il le dit, à Gand, il y a une bibliothèque, et donc il passe son temps à lire des choses comme ça. Alors, dans toute sa correspondance, donc Varujan parle des deux peintres que sont Titien pour Venise et Van Dyck pour la peinture flamande. Les deux, dit-il, ont composé mon pinceau, que j'ai d'ailleurs trempé dans le Vortangarmir, le rouge cochenille de l'Arménie. Évidemment, le rouge cochenille, c'est un peu un lieu commun pour renvoyer à la culture arménienne ancienne. Sur le plan empirique, à Venise, évidemment, dans les églises comme dans les musées, Varujan avait maintes occasions pour voir et apprécier les œuvres de Titien. C'est le seul
qu'il est nommé, mais évidemment, il suffisait de passer le pont qui se trouve en face de l'école Murat Rafaelian pour retrouver plein de tableaux de Velázquez, d'un autre peintre vénitien. Donc, Titien est caractérisé par sa couleur, alors que Van Dyck est célébré par son approche à l'objet, c'est-à-dire par son réalisme barbare. Il n'y a aucune allusion au genre picturaux, le portrait, les scènes religieuses ou mythologiques que les deux peintres ont bel et bien pratiqué. Baroujan n'est pas un historien de l'art. Il ne déploie pas une connaissance artistique livresque. Il n'est pas non plus un amateur éclairé. Il parle d'un contact vivant et répété d'un monde étranger qui l'environne et qui lui est familier. Les noms de ces artistes évoquent davantage des climats ou des impressions picturales que de vraies connaissances approfondies des œuvres. Alors, la couleur vénitienne. La couleur vénitienne, c'est assez étrange que Baroujan parle d'une manière beaucoup plus circonstanciée et longue de Venise que de Gand. La ville flamande, par exemple, ne fait l'objet d'aucune description. Si l'on met à part les traits généraux qu'il évoque, les usines, le monde ouvrier, les travailleurs, l'espace urbain. En revanche, la correspondance aborde l'œuvre poétique d'une, et on peut parler d'une présence vénitienne permanente. Il a même écrit un poème qui s'appelle Venise, qu'il avait commencé en 1904, qu'il n'a publié qu'en 1912, après avoir retravaillé plusieurs fois. Alors, je vais vous lire quelques passages de ce texte consacré à Venise, que j'ai traduit pour l'occasion, donc je n'ai pas la prétention de faire une belle traduction. Venise la bleue, grande dame, glorieuse que toute l'Italie a nourrie de son vin et dont l'Orient, de ses ornements précieux, apparaît le front sublime et les pieds liquides. Zavi venedic, parabant digin zor idalian, kini ofsanuits, jeva revelt nir zarterobankin bejnet, jagadet uvotkert luits. Adriagani pampishnes havet, zartarvat chureja bavennerov, lidoi arevne lelov zotet, tak lakalchut, yev gengar mizov. Je reprends les quelques strophes de la fin du poème, parce que Baroujan y raconte une expérience qu'il a vécue. Parce que Venise, pour lui, ce n'est pas simplement cette ville mythique, mais quelque chose qu'il a vécu, il dit, « Debout, devant le soleil couchant, j'ai étudié les couleurs et le rythme lent des rayons. Dans ton soleil et dans tes eaux, mon âme avait trouvé un pinceau de peintre. Hokis negarchi vrtsin merkdats, ku yergankin mec, yev ku churerut. » Ma lyre se souviendra de toi pour toujours, de la gloire de ton marteau, de la gloire de ton pinceau. Elle se souviendra de la triste cellule auprès du canal de la Sainte Carmini. Le lycée arménien se trouvait dans le quartier de Carmini. Si c'était devant les barreaux de la fenêtre que j'ai pleuré, le regard sur la lune, ma volonté emprisonnée, c'est là que mon cœur haletant s'est enivré du chant lointain du pêcheur. C'est encore de là que pour la première fois j'ai vu Linda, la Vierge aux dents de riz. Il dit « Dessa Lindan, Gusten Adam Nero Prinz ». Je ne comprends pas pourquoi il a dit « Prinz Adam » pour le riz, pour les dents, mais pardon. Assise au milieu de la barque de son père, tissait un filet
Emma souriait. Donc, maintenant, il y a un second texte, en prose cette fois-ci, sur Venise, qu'il a dû écrire beaucoup plus tard que le poème. Ça veut dire que Venise est une obsession poétique pour Varujan. Mais évidemment, ce deuxième texte, c'est quand il était loin de Venise. Et donc, c'est un texte miné par la nostalgie du passé. Alors, enfin, je ne peux pas réprimer mon désir de penser et d'écrire sur Venise, tant ma pensée s'est développée et s'est installée dans les multiples branchements de ses canons, telle une ancre accrochée au flanc rocheux de l'abîme. Oublier Venise signifie pour moi oublier Mona poétique. Mornal venedige, genesanage, mornal im kertoragan arvestas. Les couleurs de mon champ que l'âme humaine perçoit indépendamment des capacités de l'œil. Venons-en maintenant au réalisme flamand. La Flandre, apparemment, n'éveille pas d'enthousiasme lyrique comme Venise le fait. J'ai dit que Varujan ne décrit jamais la ville de Flandre, ni les canaux, ni les églises. L'interpénétration de l'élément marin et de l'élément terrestre, qui est si caractéristique de Venise, mais qu'on peut aussi voir ici, eh bien, Varujan est un peu accroché par le mythe de Venise. Il cède, qui cède le pas devant une ville industrieuse, une ville ouvrière. Alors, Varujan associe la peinture flamande et la ville de Gand au réalisme barbare. Parparos irabashtutium. L'épithète est significative. Parparos. D'autant plus que Parparos, barbare, se trouve dans le titre de l'ouvrage qu'il va publier, qui s'appelle donc Poème barbare. Etanos Yerke. Alors, il dit, par exemple, dans une lettre, il dit « Je ne vais pas vous écrire ici, faute de place, mes impressions de Rubens, de Jordaens, Van Dyck, de l'architecture de Bruxelles, la grandeur réaliste de l'art flamand est toute puissante. » La grandeur réaliste de l'art flamand. Ça, c'est au retour d'une visite dans un musée de Bruxelles. Eh bien, il écrit ça. Eh bien, parmi ces lectures, je voudrais pointer le cas de Maeterlinck. Souvent, on a associé le nom de Verhaeren avec Varujan, mais je voudrais quand même signaler un point important, car on ne sait pas qu'en fait, l'auteur Varujan connaissait évidemment certainement les poèmes de l'auteur de Péléas et Mélisande. Il a traduit pour la première fois en arménien le drame L'intruse de Maeterlinck, qui est le premier volet de la petite trilogie de la mort. Et il l'a publié en 1913 dans l'almanach Navasat. Donc, bien après son départ de Gand. Alors, on ne sait pas si le texte, il l'avait traduit avant son départ ou après, mais évidemment, cela n'a pas une grande importance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait une première traduction qui me semble assez bienvenue en général, et d'autant plus intéressant que dans le même almanach, Navasat, publié donc en 1913 à Bolis, Constantinople, il y a une série de poèmes dont Les Trois Sœurs, La Sorcière et d'autres, et où on devine une lecture de Maeterlinck. Car ce sont des poèmes très courts, en octosyllabes. Il y a une petite histoire qu'on trouve également
dans certains poèmes de Serre Chaude. Maître Lang a un recueil qui s'appelle Serre Chaude et dans lequel c'est une douzaine de poèmes d'ailleurs que Varujan ne pouvait pas ignorer. En revanche, la ville de Gand lui inspire toute une série de poèmes qui s'appellent L'ouvrière, L'ouvrier agonisant, Les machines, Mekenanera, Pause, Tatar, Premier mai, Maïs, Meg, etc. Il faut ajouter aussi un poème que la critique a longtemps traité de pornographique, c'est un poème qui s'appelle Otalida. Il s'agit en réalité d'une véritable forme de mœurs légères rencontrées dans un bar ou dans un café. Le poème... je ne peux pas évidemment parler du poème en prose qu'il a écrit en français, consacré à la statue de Jacob van Artevelde. Il me semble que c'est la seule tentative qu'il ait écrite en français. Varujan antarabes hayrenov keradze, bet mek tekstka vor keradze uraman hagop Jacob van Artevelde-i perapero. Uraman, ces lignes, ce qu'on lit dans ce poème en prose, on les retrouve un peu dans les poèmes arméniens de l'époque. Alors, pour ce Irabashtutu, ce réalisme barbare, qu'est-ce qu'il entend par réalisme barbare? Évidemment, il n'entend pas du tout l'école littéraire qu'on appelle réalisme. Il a en vue la tendance qu'il pense être dans la peinture flamande, qui est celle de donner de l'importance à la puissance, aux valeurs de vie, à la force, beaucoup plus morale que physique. Et donc, pour lui, le mot barbare, barbaros, renvoie à cette espèce de, force contenue dans l'individu et que l'artiste traduit dans la peinture, dans sa peinture. Mais, évidemment, Varujan, il dit, c'est à la suite de mon expérience à Gand que j'ai adopté le réalisme. Eh bien, il va s'expliquer à propos de ce réalisme assez longuement dans une lettre. Dans une lettre, il dit « J'ai toujours trouvé illogique la division des écoles littéraires. Selon moi, la beauté n'a pas d'école. La beauté est un prisme à plusieurs angles. D'en haut, comme un soleil vertical, l'âme de l'artiste lance des rayons de tous les côtés de ce prisme cristallin. Si les écoles artistiques résident dans les différentes formes d'expression de la beauté, je pense que les beautés de la nature et de l'âme ne peuvent s'exprimer exactement que d'une seule manière. Les peindre comme elles sont. Peut-être allez-vous m'appeler réaliste. Réaliste, je le veux bien, mais le réalisme est la ligne la plus directe pour parvenir à la beauté. Dans le réalisme, il faut chercher toutes les écoles, les autres écoles, qui n'en sont que des subdivisions. La nature a ses mystères. Ses tempêtes et les chaînées où sa paix unanime sous le soleil de midi. Et les peignant alternativement, comme ils sont et comme ils se reflètent dans notre âme, nous devenons alternativement symboliste, romantique, classique. Par conséquent, pour produire la beauté d'une manière sans défaut, j'aurais aimé, voulu rendre tout cela en même temps. La nature telle qu'elle est comme elle est, en étant classique et symboliste, romantique et idéaliste en même temps, dans un seul poème, dans une seule strophe, dans un seul vers. C'est pourquoi admettre le réalisme comme une école déterminée me semble ridicule. Donc,
C'est en connaissance de cause, c'est partout là les écoles littéraires qui adoptent une certaine vision du réalisme. Évidemment, je ne vais pas en rester longtemps sur cette question du réalisme. Alors, venons-en à la question de l'image. L'expérience de l'image comme une relation au pictural. Elle introduit la question de l'image en poésie. Jusqu'ici, on a laissé de côté un propos que Varujan a noté comme en passant. Il disait, à Venise, il m'est impossible même de penser sans image. Arant patkeri angareli gala inzi horil nisk. Trois ans plus tard, il avait aussi dit Arant batkeri medazel gareli che. Donc, penser, c'est toujours mettre en œuvre des images. Alors, dans cette ville, dans la formule, apparaît même une troisième fois à Constantinople lors d'un entretien. Et évidemment, il dit ceci. Dans cette ville, il y a tant d'art susceptible de développer un esprit. Et comme dit le poète, il était impossible de ne pas penser avec des images là-bas. Et il ajoute, quand il y a des images, mon art est sauvé. Arvestas pergovadze. Alors, l'expérience de l'étranger est liée à la question de l'image, et celle-ci à l'art, c'est-à-dire à l'écriture poétique. Tout laisse penser que quand il y a image, l'art est sauvé. Est-il possible de penser sans image? Mais visiblement, le constat du poète implique cette possibilité qu'il est possible de penser sans image. Vous savez, je vais m'abstenir de faire un long développement sur cette question de la pensée et l'image, qui a une longue histoire philosophique. Depuis le commencement de la philosophie, c'est un sujet de débat. Il y a simplement une chose, Varujan a choisi son camp. Peut-être qu'en tant que poète, de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement que choisir son camp, à savoir, il faut penser avec, on ne peut penser autrement qu'avec des images. Alors, la pensée est quelque part menacée. La pensée menace elle-même la poésie. En 1913, Varujan a l'occasion de s'exprimer sur la poésie de notre grand poète contemporain qui était Siamanto. Siamanto qui découvre Varujani, Jean Malakchat, Metz Panastertzmaner. Je parle, même le public associait les noms des deux poètes, Siamanto et Varujan. Tous les deux, ils avaient pratiquement publié leurs œuvres à l'étranger, Siamanto à partir de 1901. Et en 1913, tous les deux sont dans la même salle où il y a une discussion sur la poésie de Siamanto. Évidemment, Varujan profite de cette occasion pour introduire, si vous voulez, de petites différences. Parce qu'on avait tendance à trop l'associer avec Siamanto. Et comme Siamanto était uniquement le chantre de la douleur arménienne, comme on disait à l'époque, et même maintenant, et Varujan voulait prendre ses distances avec cette définition un peu trop restrictive, et qu'en réalité, sa poésie déborde très largement le problème de la douleur arménienne. Et donc, il prend ces petites précautions, et il dit l'imagination, l'imagination érige des images, en dehors desquelles, une poésie aurait été de la métaphysique. Autrement dit, quand il n'y a pas d'image dans la poésie, le risque de la poésie, c'est la métaphysique.
Dans chaque vers, dans chaque mot composé qu'il invente, fiamantot grave des images comme par un fer incandescent sur le marbre. Tout le texte de Barujan fonctionne autour de cette opposition entre image et pensée. Il insiste même sur le fait que parfois, chez Fiamantot, les images n'ont pas de lien classique entre eux. C'est le reproche qu'on faisait très souvent. Les images ont tendance à se détacher les unes des autres simplement parce qu'il n'y avait pas de lien. Lien, gabe. Batkerner idarouet kapat chein. Yeburaman betkevor kapat zelain. Uraman, donc. Oh, des images sans le lien du sens, ne sont pas du tout de la pensée. Ce sont, Varoujan le dit, des impressions, des sensations, dont le poème serait la totalité, laquelle est une synthèse d'impressions. Et Varoujan d'ajouter le dynamisme du poète, Panaserdin Ujaganutuna, Medazum Nerun, Mesavorum Ne. Mesavorum, seuls les théologiens arméniens peuvent imaginer que Mesavorum veut dire incarnation, parce que ça dérive du mot mis. Au 7e, 8e siècle, on ne pouvait pas, l'arménien classique a du mal à distinguer entre le corps et la chair. Il n'y a pas, pour dire incarnation, nous disons Marnavorum. Et pour, mais qui n'est pas. N'est pas le devenir chair. Donc, on a tendance à dire devenir corps. Alors, Varoujan emploie mesavorum pour insister sur le fait qu'il y a une véritable incarnation dans la chair. Donc, le poète doit donner chair à des pensées, sinon, le texte devient indéterminé. Alors, le cas de Fiamantot, évidemment, est exemplaire parce qu'évidemment, Varoujan va essayer de se dégager de cette proximité un peu trop gênante, je pense. Alors, mais la question qui est la dernière question que je veux aborder, c'est celle de est-ce qu'il telle poésie peut résister à la catastrophe. Alors, l'expérience de l'étranger se constitue, comme j'ai dit, chez Varoujan, à une date entre 1909 et 1909. Or, en 1909, au mois de mai, il y a les massacres d'Adana. Et Varoujan est informé, il lit les journaux, au mois de mai 1909, et tout de suite il réagit. Il envoie une lettre à ses amis qui venaient de publier une revue à Constantinople, et il va adresser tout de suite un poème long de 138 vers. C'est assez conséquent, c'est l'un des textes le plus long de Varoujan à cette époque. Et le plus curieux, évidemment, le plus curieux, c'est qu'il avait employé pour l'écriture de Fiamantot un terme nouveau, il avait un néologisme, il avait employé le terme de écriture du crime. En arménien, vous savez, nous avons tendance à assembler les termes, on a Vojrakrutyun. Vojrakrutyun, ça veut dire l'écriture du crime. Vojirin Krutyuna. Évidemment, nous nous trouvons, c'est le terme même qu'on peut employer pour l'écriture que Varoujan pratique maintenant, face à un événement qui lui est absolument contemporain. Ce qu'il faut que j'ajoute, c'est que Varoujan, jusqu'à cette époque, avait écrit déjà pas mal de textes concernant ses souvenirs d'enfance. Ses souvenirs d'enfance remontaient au massacre de 1895-96,
quand son père avait été emprisonné à Istanbul, il avait été arrêté, et puis au bout de 6 mois, on avait fini par le relâcher. Mais entre-temps, il y avait eu, selon des estimations de l'époque, 300 000 Arméniens qui avaient été massacrés, dans des conditions restées jamais élucidées. Et donc Varoujan a eu une certaine expérience, si je puis dire, d'une forme d'écriture des massacres. Mais en 1909, il se trouve face à un événement totalement contemporain, et il dit « Je peux dire que les plus profondes souffrances personnelles, je les ai vécues à Gand. » Mais c'était la période 1904-1907, quand les Arméniens étaient égorgés dans un cauchemar d'épée de famine. Je n'ai pas voulu donner place à mes souffrances individuelles. J'ai fait presque taire de force mon cœur et j'ai préféré chanter le cœur de la race, dont je sentais le battement en moi, au fond de mon propre sang. Le peuple arménien... Alors, je traduis le peuple arménien, mais... En fait, le texte dit l'arménité. L'arménien distingue le substantif hayutun, hayer, les arméniens et l'arménitude. Si vous voulez, mais hayutun, c'est simplement les arméniens réunis ensemble. Donc, ma traduction, le peuple arménien sanglotait et rugissait en moi et mes chants naissaient sous un ciel étranger, lié à la terre et à l'homme du pays uniquement par la corde de la nostalgie. Néanmoins, j'avais vu l'Europe. Donc, c'est le contexte de la phrase que j'avais prise. Alors, dans ce contexte, donc, l'événement catastrophique arrive d'une manière tout à fait inattendue, et Varoujan va donc pouvoir écrire ce long poème de 139 lignes. Alors, c'est un poème assez intéressant, d'abord parce qu'il y a un petit récit. Dans une ville qui n'est pas nommée, un rescapé invite un étranger à le suivre pour l'amener jusqu'au sommet de la montagne, d'où ils vont regarder dans une sorte de panorama synoptique la destruction des villes entières. Et puis, après avoir donné cette vision panoramique, il va demander à l'étranger de s'en aller parce que lui, rescapé, il a une dernière chose à faire, à savoir enterrer les morts et écrire les noms sur leur tombe. Autrement dit, celui qui parle, c'est un témoin, quelqu'un qui a échappé au massacre et qui maintenant va enterrer les morts. Alors, enterrer les morts, et donc il va en même temps chanter les morts. Alors, évidemment, chanter les morts, c'est une manière détournée ou une autre manière de commencer une sorte de travail, ce qu'on appelle un travail de deuil, la lamentation qui permet également aux morts de se détacher entièrement des vivants. Alors, en plein milieu de ce texte, à un moment donné, Varoujan, au moment où il décrit, évidemment, son imagination essaye de se maintenir au niveau de ce qu'il voit, à un moment donné, il s'adresse à l'étranger en lui disant, alors je vais vous lire le passage. Le passage en arménien, qui est... Alors, commençons, si vous voulez, par le texte français. « Là-bas, en face, là où le soleil se couche, contre rochers escarpés, ils ont crucifié cet homme aux membres dénudés, de leurs cheveux le sang. Étranger, je t'en supplie, ferme les yeux maintenant et n'écoute que ma voix. » Il y a une parenthèse. Et puis, la parenthèse ferme, est fermée, ferme les yeux, le sang depuis leurs mains et leurs pieds cloués coule sur la terre colorant ces tas de pierres.
On dirait que le soleil couchant sombre peu à peu dans leurs yeux grands ouverts figés par la terreur. Les bourreaux en chef ont déjà disparu dans les ténèbres, que la paix règne aux alains sur les hauteurs rougies. Voilà ce que ça donne en arménien. Yevron, ti batsnur aha arev maïrg matne, seb jairintem hacheren yot airer mergantam. Arun nirenz mazeren, odaragan gachachem, page achkeret umian yehir tsainisun gantir. Արյունն իրենց ձերքերեն և ոտքերեն պևերված հողին վրա գվազև իմ ուդներնան նետգելով ժաղետ։ Alors, le poème, en fait, reprend une scène que tout chrétien a lu, la scène de Golgotha. La scène de Golgotha, y compris le soleil couchant dans les ténèbres. C'est Luc 23-44. Et il avait déjà exploité cette image dans le poème Massacre. Il va exploiter dans d'autres textes également. Vous savez bien que cette scène constitue le noyau de l'interprétation théologique de la catastrophe, qui fait de cet événement une sorte de moment douloureux, mais transitoire, au bout duquel la vie ou le verbe prend le dessus. Alors que Varujan, lui, évidemment, il dit à l'étranger, il faut cesser de regarder. On ne peut pas regarder cela, il faut fermer les yeux, il faut tendre l'oreille à ce que je dis. Il y a comme une espèce de dissociation entre la vision et l'ouïe, l'audition, entre l'optique, si vous voulez, et l'acoustique. L'optique est refusée, l'acoustique est acceptée. Alors, donc, il faut fermer les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Pourquoi ne faut-il pas voir ce qu'on a vu déjà d'une certaine manière? Parce que dans le texte, on a parfois l'impression que tout y est, rien ne manque. Pourquoi cette formule rhétorique tout à coup ferme les yeux? Et d'ailleurs, la scène, je signale que ça rappelle énormément de scènes de crucifixion dans la peinture du XVIe, XVIIe siècle. On voit bien que Varujan fréquentait, comme j'ai déjà dit, les musées, et certaines scènes reprennent des éléments de la peinture qu'il avait vu dans les peintres. Alors, le symbolisme physique et métaphysique de l'image, évidemment, est pour lui aveuglante. Il n'y a plus d'idée de savoir, de connaissance, et le regard du spectateur ne peut rien se représenter. Ce qu'il ne voit pas, ce qu'il est. Est-ce l'être qui est devenu soudain néant? Dans tout le champ du visible, il y a dû y avoir un événement imperceptible, un événement imperceptible qui est le retrait du visible ou de son peu de réalité devant l'invisible. L'impératif qui dit de fermer les yeux retire au regard et à la pensée regardante. Vous savez, la pensée a été toujours pensée comme regard, c'est-à-dire selon le modèle de la vision. Cet impératif de ne pas regarder donne une sorte d'accès à un au-delà de l'image. S'il en est ainsi, c'est que l'image est non seulement insuffisante, mais qu'elle s'est détruite. Seul encore reste perceptible, une sorte de flamme qui sort évidemment du cadre. Alors, mais qu'est-ce qui reste? La seule chose qui reste évidemment, c'est la parole du témoin. La parole du témoin qui dit évidemment que tout ne semble pas perdu, tout n'est pas perdu. Chez Varujan, il y a toujours le fait. Et ça, c'est d'ailleurs pas seulement chez les Varujan, mais c'est la plupart des auteurs arméniens du début du XXe siècle. Ils pensent que
avec l'anéantissement du peuple arménien, tout ne fut pas perdu puisqu'il y a la langue. La langue est restée pour dire justement l'anéantissement. Et donc le poète également est le dernier survivant, donc un rescapé, qui est là pour dire l'anéantissement. D'une certaine manière, il croit au poème. Il croit que le poème peut dire encore l'anéantissement ou l'élément catastrophique. Alors, ce qui est évidemment intéressant chez Varoujan, et ça c'est peut-être le seul poème, c'est qu'il utilise, il est le premier à utiliser le témoignage dans un poème. Jusque-là, évidemment, la plupart des poètes ne faisaient pas ce genre d'opération, ce genre de travail, travailler le témoignage pour écrire un poème. Il faut dire que Varoujan n'était pas sur les lieux, comme Zabel Yesayan a été un peu posteriori, si je puis dire, en Cilicie. La plupart des poètes contemporains de Varoujan étaient à Constantinople ou à l'étranger et ils ont écrit des poèmes sur les massacres d'Adana. Et évidemment, selon quel statut, ils n'étaient pas des témoins sur la place pour donner une image, comme on dit, authentique de ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'était le but recherché dans un poème? En tout cas, tous pensent que le poème est possible encore pour dans une situation qui est d'une certaine manière qui dit la fin de ceux qui vivent. Alors, si le poème se ressource dans le témoignage, évidemment, cette source n'est plus lumineuse. Mort et vie, elle est retrait de l'image. Donc, la poésie devient quelque chose qui est méta, au-delà de l'image, une méta-iconique. Elle n'est plus vénitienne. Elle ne signifie pas que le poète a oublié Venise, son art et ses muses. C'est à partir de Venise qu'il est devenu lui-même. Mais donc, face à l'événement catastrophique, Venise n'est plus suffisante pour faire des poèmes. Je crois que j'ai terminé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Merci. Cher monsieur Beledian, je vous remercie de tout mon cœur pour cette conférence éloquente qui a montré votre connaissance sans égale de l'œuvre de Varoujan et une érudition qui puise dans toute la culture occidentale. Et vous nous avez donné plusieurs nouvelles clés pour reprendre l'ouvrage, l'œuvre de Varoujan en main, les couleurs vénitiennes, le réalisme de la Flandre, l'image, la parole et finalement la destruction des images et la poésie qui reste. The only thing that now remains to be said is that I have the pleasant task to invite you to the reception in the peristylium, where you will have a chance to talk to our speaker of tonight and where you can watch the exhibition designed by Kayane Andreasian. And I want to thank you once again for being here. And the program of Armenian Studies in the person of Grigor Moscovian for organizing this. Thank you very much.